Salut les petits amis, c'est Homegame, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour l'épisode 42 de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Aujourd'hui, ça va être un épisode assez court, ça va être le plus court de la série, si je dis pas de bêtises. Non, en fait, j'ai une connerie parce que le plus court il a duré 5 minutes. Enfin, assez court. Aujourd'hui, on va faire une épreuve de la foudre. Comme vous pouvez le voir, j'ai la tenue des auras et mon casque de foudre qui permet, si vous voulez, de me protéger de la foudre. Et ça va nous permettre, si vous voulez, d'avoir un sanctuaire. Il faut savoir que les épisodes 42, 43 et 44 seront enregistrés, enfin je parle de son à la suite. Parce que, comme vous savez, Christin, on va partir en week-end et donc je ne pourrai pas vous poster ça samedi, donc je vais poster ça vendredi ou dans la semaine. Au moment où je vous parle, dans la semaine, je sais pas encore, on va voir ça. Et puis voilà, je vous souhaite en tout cas de bonnes vacances si vous êtes en vacances, hein, reposez-vous au maximum. Et puis écoutez, voilà, je vous invite à ce qu'on voyage un petit peu du côté de Firon. Et au moment où je vous parle, j'ai pas encore terminé tous les sanctuaires de Negirudo. Je crois qu'il m'en reste 3 ou 4. Et je crois que ce sera le but du prochain épisode. Épisode 45 ou 46. Et là, je me tais parce qu'on va voir le perroquet bipède qui a bien fait rire maman. Hein. Et d'ailleurs, on va dire bonjour. Dis bonjour, maman. Voilà. Oh, humanoïde. Alors, je vous laisse lire. Alors, le bruit que vous entendez à côté, c'est Christa qui fait une délicieuse mousse au chocolat. Hop là. Alors, je vous laisse lire, hein. J'ai remarqué que quand je lis, j'ai souvent du mal et je mets pas sur mes lunettes et je bafouille un peu sur les mots. Et c'est plus facile pour vous de lire qu'entendre quelqu'un à côté qui fait la lecture. Donc des fois je le ferai, mais pas tout le temps en fait, ça dépend. Voilà. Allez, vas-y, joue-nous ta musique. Alors, si vous n'avez pas compris, le mont qu'on a vu à l'instant, qui est un petit peu entouré de crevasses, eh bien, il faut juste que je me pose dessus, sachant qu'il y a la foudre qui me tombe dessus. Il faut que je me poste juste au sommet de cette petite crevasse, de ce gros rocher. Vous allez voir qu'en dessous est dissimulé. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Eh bien, il y a un sanctuaire, voilà. D'où le nom de l'épisode, l'épreuve de la foudre. Alors, attention, je me poste. Donc je vous rassure, je ne crains absolument rien parce que j'ai le masque du tonnerre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le sanctuaire de Kyuka Nata. Alors bien sûr, si jamais vous ne portez pas de masque de foudre, et surtout si votre vie est très petite, je vous déconseille fortement de faire ça. Alors, c'est toujours sympa les temps de chargement parce que t'as des petits conseils. Ok, Kyuka Nata. Moi, je suis sûr que c'est le nom des développeurs ou les noms des sanctuaires. Je suis sûr que c'est le nom des producteurs ou ceux des concepteurs. Je suis sûr que c'est un délire là-dessus. Je sais pas pourquoi je le sens. Donc, pantalon isolant. Ok, je crois que d'ici la fin de cet épisode, on aura tous les... On aura toutes les parties de la tenue isolante à l'électricité, bien sûr. Super. Ah, et bien je vais avoir deux cœurs de plus alors. Super. C'est bon. C'est good. C'est good.
Donc il me semble que là je vais aller chercher la dernière partie de la tenue isolante à l'électricité, si je dis pas de conneries. C'est toujours lent, c'est un enchargement, putain. Ok. Alors. Ouais, je viens du passé, c'est bien, vas-y, mets-toi. Oui, ok. D'accord, je sais où je vais. Ok, putain, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça en plus. Ah, il y a un cours au goût. Alors, je parle pas beaucoup parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait, sincèrement, sur cet épisode-là. Le prochain, ça va être un peu plus, j'ai un peu plus causé. Je vous l'ai dit, hein, quand je parle pas, c'est pas que je m'emmerde, c'est juste que j'ai pas envie de parler pour ne rien dire. Ne vous inquiétez pas. Et je voulais surtout profiter du jeu. De cette merveilleuse musique. Alors, c'est bon la mousse au chocolat ou pas? Ça y est, c'est bon? Ok. Eh ouais, nous on va avoir de la mousse au chocolat et pas vous. Nananer. Donc ça nous fait c'est notre combienième Korogu? Notre troisième, ok. Ah oui, c'est vrai, est-ce que jamais... J'étais parti remplir une autre case de bouclier. Alors... So! Je sais pas ce que je fous, là. Je vais pas vous mentir, les gars, je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai fait. Là, c'est un peu le flou en ce moment, là. Voilà, vous inquiétez pas, ça va, mais... Je me souviens pas être passé par là, donc je découvre en même temps que vous. Ok. Ah, c'est bon, ça me revient. Vous connaissez par ici? C'est là où Célestin avait trouvé sa promesse. D'ailleurs, un autre épisode de Célestin va peut-être arriver en ligne dans les prochains jours, je pense. Voilà. En fait, les Célestins et papy et mamie, on fait vraiment quand on a envie, on se met pas la pression parce que ça sert à rien, tu vois. On veut vraiment que ce soit fait, vraiment, on veut pas que ce soit une contrainte. Et comme je sais que ça plaît à certains d'entre vous, donc on veut pas... Qu'est-ce que je fous, là? Je sais vraiment pas ce que je foutais là, sincèrement. Ok. Mais où est-ce que je vais? Je me souviens même pas de ça. Oh là là là, c'est terrible. Mais bah voilà, normalement. Voilà, c'est ça. Je sais pas ce que je foutais là. Franchement, je sais pas. Bon, je sais pas. J'ai dû. Alors, je vous dis que je m'arrête ici parce que normalement, je dois aller au. Je dois aller au relais de la forêt de Firon et je dois trouver normalement le casque isolant. Et c'est avec ça qu'on va se laisser, je crois. Si je dis pas de conneries. Si ma logique est bonne. Est-ce que c'est ça ou pas? Est-ce que j'ai raison? Oui, logiquement c'est ça. Ouais, c'est bon, ça me revient. Ça me revient. Mais qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je foutais? Oh, Julien, non mais là c'est n'importe quoi. Là je fais n'importe quoi là. N'importe quoi. Oui c'est ça, il me manque le casque. Voilà c'est ça. Il me manque le casque. Alors je suis désolé, je sais vraiment pas ce que j'ai foutu. J'ai bugué un petit peu là. Ok, elle est là. Donc là, j'ai parlé à cette jeune femme qui s'occupe du ranch, Shimina, qui lui explique qu'en fait, elle a peur de la foudre et qu'elle me demande d'aller voir au sommet du relais pour voir ce qui s'y trame. Et quand j'aurai trouvé d'où vient un peu cet objet de la peur, eh bien, j'aurai le casque d'isolant et c'est avec ça qu'on va se quitter, les amis.
dirait bien que c'est une hache. C'est ça. Et vous savez que le l'hache, eh bien la lame, c'est du fer. Et le fer est... conduit la foudre. Alors... Ok, et eh bien écoutez, pendant que je finis de vous laisser terminer de lire avec Chimina, je vais déjà vous laisser, parce que je vais m'occuper de l'autre épisode, épisode 42. Je vous fais plein de bisous, j'espère que l'épisode vous a plu. Désolé si j'ai un petit peu... je suis un peu parti en couille. On se retrouve tout de suite après, là, pour l'épisode 43. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu qui l'un pointe vers le ciel, à vous abonner à la page Facebook, à me suivre sur Instagram, et à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Activez la petite cloche et lâcher un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Voilà. On se dit à tout de suite. Je suis désolé si j'étais un petit peu perturbé. Et vous verrez que les prochains épisodes, ce sera pas ça. Allez, on se dit à tout de suite. Salut tout le monde.